génial ton transat. On va en faire quoi? Peut-être va-t-il nous servir dans une nouvelle vidéo. Ah bon? Mais pour quoi faire? Mais pour sauter dessus, en BMX. Moi je trouve qu'il a une bonne position pour y placer mon cul. Yes! Allez dégage que je fasse ma vidéo. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu construction. Comment se faire un petit saut de BMX soi-même. Si vous avez suivi les précédentes vidéos, vous vous souvenez qu'on avait construit nous-mêmes un petit éjecte. Si ça vous intéresse de savoir comment on l'a construit, j'ai fait toute une vidéo là-dessus. Je vous rappelle que cette rampe, elle a été faite avec 100% de récupération. Ça veut dire qu'elle m'a coûté 0 euros. Mais ça, c'est ce qui s'est passé avant. Ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on va en faire aujourd'hui? Ici, dans mon jardin, il sert absolument à rien. Ce qu'on va faire, on va le ramener au terrain, à la recyclerie. Et on va essayer de le placer quelque part, de façon à ce que ça puisse nous faire un nouveau saut. Eh hey. On va se mettre en accéléré parce qu'à mon avis on va mettre très longtemps à charger ça dans la voiture. Bon Pierre, on se rejoint à la recyclerie hein? Ouais, on est là. Et oublie pas de fermer ton coffre hein. C'est bon, j'adore. Salut. Ok, on est bien arrivé à destination. Le terrain est là-bas, on a juste à emmener la petite rampe là-bas au fond du terrain. Ça va Pierre, t'as pas trop abîmé ta voiture? Il a tout défoncé. Y'a plus rien qui tient. Donc je vous explique, on place cet éjecte ici dans l'objectif de pouvoir atterrir là-haut. Pourquoi est-ce qu'on le place ici? On a un saut qui est là juste derrière, le saut avec la grande bâche blanche. C'est le plus gros saut du terrain. Ce qui est dommage, c'est que ce gros saut n'enchaîne sur absolument rien. Donc le mieux, c'était de placer un éjecte ici et pour pouvoir reprendre la ligne de bosse après. Je sais absolument pas si ça va marcher et c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui. T'es prêt à m'aider à creuser avant? Parce qu'il y a du taf là. Non, j'ai la flemme. Allez, tout le monde prend sa pelle et on creuse, c'est parti. Ok, ça y est, le petit chemin pour accéder à la petite rampe est fait. On va juste mettre quelques morceaux de bois parce que bah, c'est pas très tassé. On va faire avant de sauter ça parce que c'est quand même assez engagé. On va les rouler un petit peu tranquillement sur la petite ligne pour s'échauffer. Vous êtes motivé? Yes, on est là. Super l'ambiance, super. Ça y est, on est plus ou moins chaud. T'essayes avec moi? Bien sûr. Allez, c'est parti. T'es prêt? Ouais. Shifumi, 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 Shifumi. Ah, tu perds, tu essaies en premier. Yes, je vais pas mourir tout de suite. Pas serein, regardez cette allée là. Mais l'allée elle est très bien, regarde, c'est une autoroute. Allez, prends ton vélo, essaye tout droit. Tu fais un gros bunny up, ça passe au-dessus. Bon là, au but, elle est déjà partie, il est chaud comme ça lui. Allez mon Pierrot. Ça passe! Yeah! Bon bah je crois que c'est à mon tour d'assumer maintenant. C'était facile? Ouais bah j'ai joué la sécu hein, en arrière mais... Ouais, et c'est important de repédaler ou... Ouais mais un coup de pédale quand un même. Un coup de pédale et ça passe. Un truc de malade. On va réessayer parce que là c'était pas bien passé. Et regardez, on se rendait pas compte là, ça fait quand même une sacrée distance. Tu passes de là jusque là-haut. Allez mon Pierrot. J'ai dérapé. Ouais, tu fais trop le mec. Un petit peu oui.
J'ai mis une pression à Philippe. Il veut mettre son barrel. Voilà, il veut mettre son barrel. Allez Philippe, montre-nous ce que tu sais faire. Pression inimaginable. Il a encore voulu faire le mec du coup. Les pédales elles ont glissé, c'est de la triche. Je vais essayer de faire un trick là-dessus. Genre, je sais pas, un condor par exemple. Oh merde. Ça, c'était oh. Pas propre, désolé, t'as trop raccroché. A mon tour, on recommence le petit condor. Boum, limite. Mais mi ouais. À ça. T'es pris en mode race quoi. Bah ouais, je suis un racer moi, attends. D'ailleurs on fera une vidéo de race bientôt si ça vous intéresse. Donc là il va essayer d'essayer un can-can sur la bosse. Ça veut dire qu'il va lâcher un pied. Regardez ça. Alors c'était comment le goût des ronces? Ouais, ça pique un petit peu mais ça... Voilà. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, la fin de ce test, de cette petite rampe. Un peu ghetto. On va pas se mentir, c'était de la merde. Vraiment de la merde. On a construit un truc qui sert à rien. Dites-nous quand même ce que vous en avez pensé, mais nous, on a trouvé ça un petit peu galère. Et donnez-nous des idées, qu'est-ce qu'on pourrait construire ici à la recyclerie, parce que là, c'était pas très concluant. Et à bientôt dans une prochaine vidéo, tu peux t'abonner juste là si c'est pas déjà fait, mettre un pouce bleu, tu sais, tu connais la suite.